Moundir, comme beaucoup de Français, a contracté le Covid-19. Son état est visiblement préoccupant. Sa femme avouait, il est sous oxygène. Il est très courageux. Il revient de très très loin. Il ne lâche rien, c'est sa nature, il ne lâchera jamais rien. Elle ajoute également, même dans ces moments-là qui sont très difficiles, il a une pensée pour vous. Il m'a demandé de vous faire passer un message, de vous dire qu'il ne lâchera rien, qu'il continuera de mener ce combat avec vous, que justice sera faite. Là il se repose. Inès donne régulièrement des nouvelles de Moundir à ses fans. Elle disait hier, mercredi 24 mars, il vient de passer une nuit correcte, toujours sous oxygène, je ne peux pas lire les centaines de messages qui arrivent par jour, je vois mais je le laisserai répondre quand il ira beaucoup mieux. Il continuera le combat avec toute son équipe. Il vous embrasse très fort. Apportez-lui tout l'amour nécessaire, toutes les prières nécessaires. Mais alors que tout le monde garde espoir, la compagne de Moundir vient tout juste d'expliquer à sa communauté que son état s'était aggravé. On peut lire, aujourd'hui pour mon mari on ne parle plus d'hospitalisation simple mais de service de réanimation. Courage mon amour. Continue à te battre. Je t'aime. Des mots courageux et pleins d'amour. On espère que cet aventurier, qui fait des frayeurs à tout le monde depuis quelques jours, se remettra rapidement sur pied. Il peut compter sur le soutien de ses proches et de ses fans. Denis Brognard lui a d'ailleurs adressé un très beau message sur Instagram qui disait « Je pense à toi mon ami Moundir, touché par le Covid. Je t'ai bien reconnu quand je t'ai parlé hier soir, focus et combatif. Je t'embrasse. » La rédac à lire aussi les blocs ADS. Why ?